Bonjour. Pour Clara, Thomas, Yasmine et tous leurs camarades de 5e 3, après s'être préparés, entraînés et avoir surtout révisé, c'est enfin le début de l'épreuve tant attendue, le rallye des mathématiques des professeurs de collège et lycée. Toute consultation sur Internet est interdite pendant l'épreuve. Les calculatrices, on peut. Après les dernières consignes, les élèves ont moins de 2 heures pour répondre par petits groupes à une dizaine d'exercices sous forme d'énigmes ludiques. Découvrir en fait des notions qui sont un peu cachées derrière ces exercices, mais les découvrir de manière facile et détournée, pour ensuite, la fois où on les abordera avec une vision beaucoup plus mathématique, ça permettra aussi des connexions et faire des liens. Et du coup, rebondir là-dessus et de ce fait, ils auront déjà intégré certaines notions. Les objectifs visés de cette semaine des mathématiques sont nombreux. Proposer une image vivante et attractive des chiffres et des formules. Développer chez les élèves le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser ensemble. Une méthode apparemment efficace et qui marche, qui plaît aux élèves. Elles ont tous des qualités, donc ensemble, on rajoute toutes nos qualités et donc après, on réussit à travailler ensemble. Ariel compense mes faiblesses et Ovanès fait la même chose par rapport à Ariel, donc on s'entraide entre nous. Pour cette épreuve organisée par l'Association des professeurs de mathématiques de l'Académie, c'est un véritable succès. Près de 11 000 jeunes de 73 établissements de collèges et lycées y ont participé.